Comment perdre du ventre rapidement? Il suffit de boire cette boisson et vous pouvez perdre du ventre en seulement 20 jours. Si vous avez déjà été sur un régime alimentaire, vous savez combien de temps il faut pour les kilos non désirés de disparaître. Par conséquent, cette boisson est un raccourci et il ne nécessite que des ingrédients de base. Cette boisson peut vous aider à perdre du ventre rapide et efficace, car il peut vous aider à consommer moins de calories que vous brûlez tous les jours. Vous savez, si un certain nombre de calories que vous consommez sur une base quotidienne équivaut à la quantité d'énergie que votre corps brûle, votre poids restera stable. Et si vous consommez plus de calories que vous brûlez, vous gagnez du poids parce que l'énergie supplémentaire sera convertie en graisse et stockée dans différentes parties de votre corps, y compris votre région du ventre. Par conséquent, si vous consommez moins de calories que votre corps brûle, vous perdez de la graisse parce que votre corps utilisera les graisses stockées dans votre corps pour produire l'énergie supplémentaire dont il a besoin. La façon la plus efficace que vous pouvez employer pour perdre du ventre est par la consommation régulière des aliments faibles en teneur calorique. Et la boisson que je propose pour vous aujourd'hui, si elle à prendre tous les jours, vous aidera à rester plein pour une plus longue durée, conduisant à une réduction de la graisse dans votre région du ventre. Il vous aide également à manger moins de calories tout en encourageant votre corps à brûler la graisse du ventre pour l'énergie. Cette boisson est préparée en 15 minutes. Elle est employée une fois par jour et balaye loin tout le reste de ventre dans 20 jours. Voici comment préparer. Ingrédients: eau, citron, épinards frais, gingembre frais. Préparation et utilisation. Avec cette recette, vous avez besoin de 250 g d'épinards frais. Ensuite, vous enlevez les tiges de feuilles d'épinards. Épinards est vraiment bon et idéal pour vous aider à perdre quelques kilos supplémentaires sans compromettre la santé, parce qu'il contient près de 90% de l'eau et ont très peu de calories, seulement 29 par 100 grammes. Ensuite, vous lavez le gingembre et les épinards très bien. Vous avez besoin de 20 g de gingembre pour cette recette. Ensuite, vous coupez le gingembre en tranches. Après cela, vous versez des épinards dans un mélangeur. Ensuite, vous ajoutez du gingembre tranché au mélangeur. Après cela, vous ajoutez 250 ml d'eau au mélangeur. Maintenant, vous mélangez tous les ingrédients bien. Ensuite, vous le fintez avec une passoire pour obtenir un jus plus liquide. Enfin, vous avez pressé le jus de citron de 1 citron dans le mélange. Mélangez bien et buvez le jus obtenu immédiatement. L'idée est de le faire le matin sur un jeûne. Vous devez être constant et le boire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez les résultats que vous voulez. Si vous aimez la vidéo, donnez-lui un pouce vers le haut et partagez avec vos amis. Si vous voulez plus de recettes et de conseils, abonnez-vous à la chaîne.